et pas une apôtre à Sani Moukenda à côté qu'à Moté Noroko Yaza à côté qu'à Paix Lingomba Noroko Yaza et des Zambaloba Lingomba Lyoka Zambaloba Makambo Massane Matazina Lingomba Guyana Zambé Moni Samanatela Lingomba. L'Obanazabe Koutoura Mabomba Lialitema. L'Obanazabe Pesa Makasi de Tota Kola Naïli Yaya Lola. L'Obanazabe Pesa Kisho Makasi de Kolonga Mabé. Kola Nagone. Zambé Kolonga Bokasi Nos. Zambé Sambisi Biso na Poko Alelo. Soko Linga Kateto Sangana Tonga Kipeko Sangana. Tosangani kwete ozana mabongisi ya malamu pona bongo ina biso. Bongo mabongisi yango otani saka biso na nzela ya liloba na yo. Kono na bongo nzambe na bokasi. Ekomani ete mwoto akubika kaka na lipate. Kasi mwoto akubika nena liloba nyonso ekodima na kudoko na yonza. Talatina kutimata ete liloba na yo tango ete ya mata. O disposa kami te manabiso kwenye peba na kwenye mbali yoba. Tango yozo tebe misa osali na yonza yaza la mestima kwenye elaka izali na tango na suka motei yoza la motote motei yoza la yonza aza la mestima uko itilize na poko alelo o nyonso ekobima na kati na ye eza la lipango lipo na biso eza la mbula. Et son cathéza, ça te accompli, y'a solo, ni sana, non, ma kati na moyo qui m'encore encore. Kolo na bomoi, tika eti a solo, oyo tango, oso a kontrol, y'a ni sana, oyo obima. Ma akote, ata wamo sika, na kompréhensi a kilomana yo, pwete, kososo la kokata tina, ma koki wane uta kepay na yo. Osa na biso graswa. Mbuna zwa tanze la te ya kutami sawa kani sinabiso musika na kumbo na Yesu Kristo. Amen. Metini Yesu Kristo mwamoko zame na momoi elonga na sola zariku mienuteli za aklamasyon. Azamo nene ni il est tellement grand. Yo Yazali, Jida et Soma Zoma Kassimate. Lui qui est le véritable Jida qui ne réduit pas. Oya Bongisi la tienne à Yo. Ce qu'il a préparé pour toi. Et Koko Kisama certainement. Et Koko Kisama solo. Bible le dit. La Bible dit. Dans Romains 9, verset 28. Dans Romains 9, le verset 28. Dieu exécutera promptement et pleinement tout ce qu'il a résolu y a pour ça sur la terre. Zambé a beaucoup qui ça na luma no pe na mupimba nyonso atani ko sa na mabele. Oh ya bongisi ça na. C'est que le Seigneur a préparé et ko sa na ma pleinement. Cela s'exécutera pleinement na mupimba. Amen. Donc il est important que nous soyons pour la terre. Cela veut dire, cela ne veut pas dire que notre partie va rater, l'autre s'accomplit. Dans Romains 9, verset 28, on dit pleinement. Dans Romains 9, 28, on dit Namon Bimba. Et promptement. Pé Namonba Mounyoso. Donc les commandants, les alakateurs, ils ont permis. Donc ce que Dieu fait, il ne faut pas le voir comme si c'est la table. Le Seigneur a ça à toutes choses bonnes à son temps. Zambi a ça à Pélo Konyoso, qui tombe qu'on attend mon amour. Bato ya esengo bazali ba oyo ofandi liboso ya koyoka liloba ya Nzambe. Les gens verraient son sera qui demeure devant Dieu pour écouter sa parole. Na lero liloba ya Nzambe ezoteyama. En ce temps, si la parole de Dieu se prêche, bato ya mawa baza na ba stade. Les gens malheureux sont dans le stade. Bato ya esengo bamone baza liboso. Ce sont les gens malheureux qui sont ici à l'église. Bon biso, parce que nous, et c'est mon ami, c'est ça pour la bombe, c'est notre choix, c'est pour la vie éternelle. Toutes ces choses-là que les gens suivent sont vanité. Paul a dit un mot Montolé ou Ebebaka.
un courant correctif. Nous courons pour remporter un courant incorruptible. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas, ce n'est pas ce cœur qui est occulte, mais son cœur est là-bas en train de suivre le match. Il peut terminer là où est ton cœur. Ou à plus monter, mon ami. Là où c'est pour ton trésor. Et où on a dit aux yeux, il peut bon mal. C'est un trésor, mais c'est un cœur. C'est là où est ton trésor, c'est là que se trouve ton cœur. Pour comprendre, c'est le trésor, mais c'est un cœur. Tu vas le comprendre facilement si ton trésor c'est là où sont les joueurs qui jouent en Europe. En tout cas, si tu acclames ces gens-là, tu es malheureux. Sois béni au nom de Jésus-Christ. La plupart des Bamouans, ce sont des homosexuels. Libérez la parole à Sanakamibani Namibani. Dans les grands joueurs, les grands renommés. Ils sont des homosexuels. Et même dans leur programme de la Coupe du Monde de Qatar 2022, comme là-bas l'islam interdit l'homosexualité, un joueur a se décidé pour ne pas boycotter la Coupe du Monde pour ordre. Et le joueur avait décidé de boycotter la Coupe du Monde à cause de cette interdiction. Maintenant, même avec ceux-là qui prient, on permet de mourir au puissant. Permettez seulement de jouer. Donc, Adam a besoin et ça là. Il a besoin que la Coupe du Monde ait lieu. Il va permettre Mamou Bazala l'homosexualité. Et qu'on puisse le permettre aussi de rester dans cet état de l'homosexualité. Voilà un frère à toi, Mamou. Là, un frère de l'église en train de dire ceci. Adam a besoin à Tara Mamou Bazala. Il a besoin de suivre ça. À posséder à niveau unique. Je vis tel, je vis diable. Mathieu va s'aller pétant dans mon livre, ma paix à Satan. Ma boucle, là, yo. Tes mains, tes doigts, acclamer seulement Jésus-Christ. Il dit, le bon, la fondola qui bouge. La Bible dit, comme il avait ouvert le livre, qui vire. Et qu'il avait brisé le sol. Il est là, ça, digne d'acclamation. Il est là, pour qui va mettre là, ma boucle. Digne d'acclamation. Ah, pour qui il a ma boucle, là, ma sang. Donc, pour les acclamations, acclamations. Donc, ils n'en sont pas dignes. C'est lui qui en est digne. Si tu viens servir Jésus, sois tout entier en Jésus-Christ. Ne pense pas que tu auras autre chose en dehors de Jésus-Christ. Consolation, c'est Christ et Jésus. Ta consolation, c'est Christ et Jésus. Ce n'est pas toutes ces choses du monde là que tu veux. Réalisons vraiment que nous avons la vie pour une assez à ma belle. Réalise vraiment que tu n'as que la vie de Dieu seul sur la terre. Après, éternité ou bien toujours qu'il est en mode. Et après, ceci soit l'éternité ou soit le feu éternel. Et tu ne vas pas planer avec la vie que tu as. Sois possédé. Il faut la prendre au Seigneur. Il faut œuvrer pour le Seigneur. Il faut élever le Seigneur. Une autre personne peut être la plus d'une heure en train de parler et jouer au football. Et tu vas le voir aussi se fâcher et discuter. À la poussée. À zone la mini ma bé. Esprit mauvais. Mini ma bindo. Gloire à Dieu, c'est le Seigneur. Quel gloire à Dieu, ça nous colle. Il faut ça l'effort. Hein? Tu dois faire l'effort. On a mis le cognon sur un. De sortir de toutes ces choses. Vous avez le bon à l'échelle de terre. Ne faut pas prendre la chose. Ça va l'effort qui m'a mis le cognon sur un. Faire l'effort de sortir de toutes ces choses. Il faut maintenant la sortie de Jésus à Zalek pour l'un d'autre les autres. Tu vas te poser la question si Jésus était là aujourd'hui dans la chair. On ne va pas m'en aller à Zoumé, t'as pas du foot. Tu allais le voir en train de jouer au pari foot. Au nom de Jésus, pour la chemise, alors. Jésus est dans sa main avec sa chemise. Maintenant, parce que tout ça va imitateur. Donc, soyons les imitateurs de Christ. On va m'en mettre à pari foot. Tu vas voir Jésus de Nazareth jouer au pari foot. N'aie pas la vie de la légèreté. Si le Seigneur dit qu'il va te donner, va te donner.
surpris par la mort. Parce que je mange. Et cela te dérange profondément. Tu vas recevoir l'argent au nom de Jésus-Christ. Oh, ça va bondir sur le cinéma. Tu vas toucher ce que Dieu a préparé. Ce que le Seigneur a préparé pour toi. Aussi, tu vas les toucher au nom de Jésus. Et c'est aussi maïloko, mais on dit qu'elle a beau sang. Donc c'est bon que tu touches quelque chose en vivant dans la sainteté. Ce n'est pas que tu reçois une richesse, mais qui t'emporte dans le péché. Et c'est ce que nous avons dit pour nous. Et c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Qu'il puisse te préparer. Qu'il puisse te rendre stable. Constant. Dans les choses de Dieu. Il va te donner toutes ces choses du monde. Et ça, c'est pour toi, bien-aimé, il va te donner. Mais il faut rendre constant. Parce que ce qu'il a dit, nous savons, oui, dans le monde. Que tu ne sois pas un frère flottant. Tout ce qui est ta richesse, c'est Christ Jésus. Et c'est mon aïeux. Ton bonheur, c'est Jésus-Christ. Nous allions sous Christ. Il ne faut pas mettre ta joie dans les choses de la terre. Et je vous dis que dans le monde, on va foutre les diables à s'installer. Sérieusement. Je vous dis que dans toutes ces choses-là, le diable loge sérieusement. Le diable. Satan. À s'installer sérieusement. Afin qu'il n'y ait pas de casse dans la démo. Et à se distraire par les enfants de Dieu. À casse. Et il distrait les enfants de Dieu profondément. À vous, à la Bible. Il va être là, il lit la Bible. Et il écoute là-bas un joueur qui rate le but. Et puis ferme sa Bible. Et puis se rend devant la télé. Quand tu penses que c'est normal. Mais la légèreté, ma grâce, devant l'adoration. C'est vraiment la légèreté devant le Seigneur. Tu dois savoir donner de la valeur à Dieu. C'est très important. Les aliments tout à ma grâce. Zambé, il faut l'élever. Le Seigneur, il faut l'élever. Montrer qu'à part lui. À ça. C'est toi qui fais mon bonheur. Dans les sièges, je n'ai que toi. Il faut comprendre que m'approcher de Dieu, c'est mon bien. À ce soir-là, qui était beaucoup sans que soit en paix, ça dit il faut que tu vas vraiment le ressentir. Ne prends pas la vie de Dieu au deuxième plan. J'ai pris en attendant. Si je tiens ce que j'ai besoin, je laisse le prier. Notre vie, c'est la parole. Il n'y a point d'autre endroit où y aller. Notre endroit, c'est la parole. C'est pourquoi C'est pourquoi je t'ai toujours montré que ton grand combat, c'est le combat de la conscience. Il faut ta conscience comme un pire. Le Seigneur était au monde, tu l'as eu comme un pire. Il n'y a pas un autre chose. Parce que tu es témoin de ta propre conscience. Même si les gens t'attendent, tu connais qu'est-ce que tu penses. Dieu va rémunérer ce que tu penses. Ce n'est pas ce que nous voyons. Le Seigneur connaît ce que tu es. Alors il est le Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Asani Tsavo, il dit, Seigneur, il t'a ma paix, ma carité. Et c'est ce qui va payer. Il te voit très bien. Il connaît à quoi tu donnes la valeur. L'Écriture dit que c'est au fait de l'éternel qui te délice. Salam Tsavo, il s'est bon à yo. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais à vos pays, ça y est, on te manœuvre, ça y est, on pour ça. D'abord, comme ça y est, délice. Ça va, ça va, il est dit, qui s'est bon à yo. C'est ça. Le monde. C'est ça, la plus grande. C'est qu'il faut, Lucas, n'a qu'à ta vie, n'a yo, et ça qui est tout ton être. Tu vas chercher dans ta vie que tout ton être. Corps, n'a yo. D'autres, n'a yo. Âme, n'a yo. Mon lèvre, esprit, n'a yo. Paix, mon lèvre, force, n'a yo. Ma casse, n'a yo. Et ça, pour le Seigneur. Sois pour le Seigneur. C'est ce qu'il faut.
Et c'est ce que tu vas chercher. Il ne faut pas vouloir que le diable puisse emprisonner une partie de ta vie. Jésus-Christ déjà à l'ombre. C'est parce que Jésus-Christ avait tout vaincu. Je ne sais pas vouloir qu'une ténèbre vienne me dominer. Les travails, il y a l'ancienne alliance. Mon salaire à l'autre n'y a pas là. C'était le travail de l'extérieur. Et le verset 13, il y a Hébreux 9. Comme le verset 13 de Hébreux 9 nous le dit. Et le travail, il y a le sang de Christ. Le travail du sang de Christ. Et ça, il y a 4. C'est le travail de l'intérieur de la conscience. La conscience, de l'Église. Le travail de la conscience, comme le dit le Christ. L'œuvre du sang de Christ. Nous savons qu'il y a ce Christ. Nous savons que la conscience n'a pas été là. Purifier dans ma œuvre et son mortel et le roi. Travaille en fait que ta conscience soit purifiée de toute œuvre morte. Donc les impudicités et le roi. Ma bondouba et kéné. Mensonge. Le kouta. L'orgueil. Le fondo. Sorcellerie. Mon okinyonso. Tout. L'œuvre du sang et au salarié. Ma kiné a dit qu'au salarié et au salarié. Ce qui a fait salarié dans la carte n'a yo. Si cela s'est fait dans ta vie. C'est ensuite que tu vas commencer à servir le Seigneur. Et c'est ce que l'Écriture déclare. Et c'est ce que l'Écriture déclare. Pourtant, l'Écriture m'a mis sur le dos. Nous lisons d'abord notre Écriture aujourd'hui. Lévitique 14. Lévitique 14. Après, ton besoin va toujours l'exhortation manquer. Après, nous allons rentrer dans l'exhortation. Dans Lévitique chapitre 14, à partir du verset 48. Lévitique 14, le verset 48. Dire un verset 53. Jusqu'au verset 53. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Si le sacrificateur qui est retourné dans la maison, voit que la plaie ne s'est pas étendue, après que la maison a été récrépie, il déclarera la maison pure. Car la plaie est guérie. Il prendra pour purifier la maison des oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi et des hysopes. Il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi et l'oiseau vivant. Il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé. Et dans l'eau vive. Et il en fera sept fois l'aspersion de la maison. Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau. Avec de l'eau vive, avec l'oiseau vivant, avec les bois de cèdre, l'hysope et les cramoisies. Il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans les champs. C'est ainsi qu'il fera pour la maison l'expiation. Et elle sera pure. Que Dieu bénisse les dieux. Amen. Nous nous rassurons. L'écriture, nous allons couper ça d'abord pour la conscience. L'écriture que j'ai donnée concernant la conscience. C'est Hébreux chapitre 9. Verset 13. Je commence à partir du verset 13. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Car si le sang des taureaux et des boucs et
Et la cendre d'une vache. Et pour répandue sur ceux qui sont souillés. Sanctifie. Et procure la purité de la chair. À notre canal, nous servons dans l'ancienne alliance. On parle d'abord du service qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Et vraiment, résultat au Bazalaki Kozoa. Vraiment, les résultats qu'ils avaient. Purité de la chair. Et sanctification. Et la sanctification de la chair. Par rapport à la chair. Par rapport à la chair. Maintenant, on rajoute verset 14. Au verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience à cause de la coupe de la commande de l'abîme? Des œuvres mortes. Pourquoi le sang de Christ dans l'œuvre qu'a salaki? Pourquoi le sang de Christ dans l'œuvre qui a salaki? Ils ont purifié conscience dans l'œuvre qu'a salaki. Purifie notre conscience des œuvres mortes. Bon année. Pourquoi? Afin que vous serviez les dieux vivants. Oui, que nous avons salé à Zabé dans mon monde. Quelqu'un qui a besoin de servir. Donc, la personne qui a besoin de servir le Seigneur. Le Seigneur doit purifier sa conscience. C'est ce qu'il dit. Il s'agit de purifier votre conscience des œuvres mortes. Pourquoi le Seigneur fera ainsi? Il dit très bien au verset 14, en sous-panabon. Il dit au verset 14 à la fin. Hébreux 9. Afin que vous serviez les dieux vivants. Pour être vivant au de la Zamène à bon. Donc, celui conscience est un pire. Si ta conscience n'est pas pure, tu ne sers pas Dieu vivant. Au sens de la pété, nous avons la mort. C'est ce qu'il est dit. Et ça dit, moi, je lui connais, ça y a une écriture de l'égaré. Et c'est ce que l'écriture dit. Celui conscience est un souillé. Si ta conscience est toujours souillée, et toujours dans le mal, tu n'as pas encore à commencer à servir le Seigneur. Et tire les yeux du service. Et c'est ce que l'écriture nous dit. Pourquoi est-ce ta pensée? Voilà pourquoi il faut que ta pensée et ça la pure. Soit pure. Et ça la sanctifié. Soit sanctifié. On va dégager dans ma camion sur les airs malades. Et que tu sois dégagé de toute chose qui n'est pas bonne. Et après, qui sait de l'aller. Mais la c'est pour tout enfant de Dieu. Et ça dit pour d'avoir dans sa bénédiction. Parce que l'écriture, on va nous dire en gros. Parce que cette écriture, on l'a dit. Sans qui consacre par rapport à l'autre. Si dans la loi, cela se faisait par rapport à la chair. Combien plus les noms. Combien plus fort les noms. Dans sa Christ. Par le sang de Christ. Et pour y avoir purifié notre conscience. Purifiera-t-il votre conscience? Là, c'est l'œuvre puissante de Christ. Voilà, ça dit au salam qui a Christ. Que Dieu bénisse. Amen. Yabo, tous autant pour la petit à petit par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous marchons petit à petit par la grâce de Dieu. Tolomera qui, l'autre fois, toujours sur la maison frappée à lèpre. L'autre fois, on avait parlé sur la maison frappée de la lèpre. Non, je vous avais dit que Dieu parle de plusieurs manières et de plusieurs reprises. La maison où ils ont reconnu qu'ils avaient été frappés de la lèpre. La maison qui était déclarée frappée de la lèpre. Ils ont Adam. Parce que si on regarde dans Romains chapitre 5, parce qu'en lisant Romains chapitre 5, l'Écriture nous dit ceci. Les bandits d'abord ne l'obéit pas. L'Écriture commence d'abord par ces langages. Nous autant le verset 14. Nous lisons le verset 14. Nous lisons notre verset. Amen. Cependant, la mort a régné depuis Adam. Jusqu'à Moïse. Qui l'on a mossé. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression.
Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Adam, Bible continue encore. La Bible continue. Verset 17. Le verset 17. Et à Romains 5. Si par l'offense d'un seul, ce qui n'a sous y a manque, la mort a régné par lui seul. L'Iwa est conti dans la Yemoko. Donc, l'offense sera qui il y a Adam. L'offense était celle d'Adam. C'est la maison qui avait péché. Les amis et sous-moutaki. Parce que nous avons comparé à Moutou Nanda. Parce que le Seigneur compare l'homme à une maison. Tout ça qui 1 Corinthiens 6, le verset 19. On avait donné 1 Corinthiens 6, le verset 19. Même aux yeux 1 Corinthiens 5, le verset 1er. Même en prenant 2 Corinthiens 5, le verset 1er. Nous avons comparé toujours notre corps comme une tente, comme une maison. On compare notre corps charnel à une tente ou une maison. Et Adam est où il y a au façade. Et c'est Adam qui avait offensé. Oui, ça là qui m'a béni. Qui avait péché. Mais la plaie est entrée. Et c'est alors que la plaie est entrée. La loi où nous avons appelé ça qui n'a désert. Le loi que le Seigneur avait donné dans le désert. Ça me fait ça là qui vous avez un programme, le légumé ni à côté qui ça Adam. Le Seigneur avait un programme, comment est-ce qu'il guérirait Adam? Parce que Adam, parce que en Adam, nous tous nous y retrouvons. Donc, si tu le dis pour restaurer Adam, si nous parlons de la restauration d'Adam, nous voyons comment nous nous relevons. Aussi, voilà, nous sommes rachetés. Et Israël aussi. Et Israël aussi. Même cette terre est maudite que la rédemption en soi. Même cette terre vivra aussi la rédemption dans la suite des temps. Dans les millénaires. Du temps du règne de mille ans. Donc le Seigneur, d'abord, il obéit naïe. Le Seigneur, dans son langage, a zala qui pose que de plusieurs manières, quand vous savez même qui n'a jamais été. Il répétait de plusieurs manières les choses qui s'étaient passées dans les gens. Et ça, les mots, il faut la Bible. C'est comme ça que tu vas lire la Bible. Donc, à l'unique état où la maison est frappée, et lorsque la maison est frappée, il y a beaucoup de choses qui sont là, mais je n'en ai pas parlé dans cet enseignement. C'est comme ça, bien aimé. Que les propriétaires de la maison, et le même sacrificateur, le propriétaire de la maison ira vers le sacrificateur. Que la plaie m'a mis dans ma maison. Que la plaie a commencé dans la maison. Quand le sacrificateur accouilla. Et lorsque le sacrificateur viendra. Et l'on a eu d'abord à poser la malam. Et ce qu'il fera de bon. À poser un pilote pour nous sur les amandats. Il prendra tout ce qui sera dans la maison, refusant qu'il soit souillé. À Kogomba. Il va tâcher tout ce qui sera dans la maison. Attendez-moi le verset 34. Il y a Lévitique 14. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous serez entré dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison, du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrifice. Et dira, voilà dans le verset 35e et en Lévitique 14, j'aperçois comme une plaie dans ma maison. Les sacrificateurs, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y est ne devienne pas impie. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la plaie. Donc, le sacrificateur a dit que la plaie. La plaie est là. Les sacrificateurs voient que la plaie est là. Mais premier rôle, mais son premier rôle, les amis, il y a pour garder le bon ma
Laissez les préserver les bonnes choses qui sont dans la maison. Il va refuser que cela devienne impur. C'est pourquoi ce qui concerne la loi de l'achat, Lévitique 25, il faut autant la bien. On doit bien lire l'écriture de Lévitique 25. Dans la loi concernant les rachats. Et on dit pour le verset 25. On dit ceci au verset 25. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si ton frère devient pauvre, ce qui n'est qu'on a eu à commis au bol, et vend une portion de sa propriété, mais à tes qui étaient mis à le pardonner. Il faut tout en avoir bien. Il faut que nous lisions cela distinctement. Dans un autre exemple, l'écriture le dit. Je prends par exemple, l'écriture dit aux âmes, non. Propriété ne pas on est à 40, net et sur 40. Tu as ta parcelle de 40 sur 40. Maintenant, on commet pauvre. Maintenant, tu deviens pauvre. Au côté de la terre. Tu ne vas pas vendre l'entièreté de ta parcelle. Ou bien au défi 20 40. Tu vas vendre, par exemple, 20 sur 40. On est déjà pauvre. Mais tu es déjà pauvre. Et ça va dans une partie non vendue. Et il y a une partie incessible qu'on ne vend pas. Dans la loi du rachat, une partie qu'on ne peut vendre. Quand on dit il vend une portion, quand on dit à qui était, cela veut dire c'est à une partie d'Adi. Il a vendu une portion de sa parcelle. Et Témi Moussousou à casa pauvre, Esaïe. Mais une autre partie, même si le pauvre, elle lui appartient. Il y a une loi et une loi beaucoup. C'est ce que dit la loi. Et le but est à te guignonçon. La loi ne dit pas qu'il a l'entièreté de sa parcelle. Il vend une portion à te qui était de sa propriété. Il y a le pardon. Pourquoi la loi à rachat pour lui? Pourquoi le Seigneur avait donné la loi sur le rachat? Et on a répété d'une autre manière dans ma campagne. C'est ce qu'il a répété d'une autre manière en ce qui concerne la maison. Ah, pour les enfants. Même si la maison est touchée par la lèpre, il y a malam. Et ça dit la vie comme malam, on a quatre ndako. Mais la maison est déjà touchée par la lèpre. Mais les sacrificateurs feraient de tous les moyens qu'elles ont. Ils ont quoi malam, wana, akombamo, koma, un pied. Les sacrificateurs feraient par tous les moyens afin qu'ils préservent tout ce qui sera dans la maison. Maintenant, on va les traiter la maison. Maintenant, il va chercher à comment traiter la maison. Pourquoi le Seigneur a ça la guinée? Pourquoi le Seigneur avait fait un langage simple? Je vais le dire en langage simple. Il dit Koroba. Cela veut dire Nzambe, le Seigneur, Oya destina et Koloya. Ce qu'il a destiné sur un homme, et change à la tête. Cela ne peut changer. Si tu es fils de Dieu, depuis l'éternité, au bas de la seco, diable taillé à Zuyo, même si le diable vient te prendre, lorsque tu es né, au côté dans le désordre, tu entres dans le désordre, au côté à vie à mort, tu entres dans la vie du monde, tu es dans le même bateau dans sa mère, tu insultes même ceux qui prient, oui, et bien ta maman, tu ne connais même pas les choses de Dieu. C'est une partie qui est vendue, mais ça n'a pas partie non vendue. Et ça dit, dans la manière dont le Seigneur va, comment est-ce qu'il t'a gardé là-bas? Et cela ne changera pas. Jusqu'à ce qu'un jour cela s'accomplira. C'est ce qu'il dit ici. Gabonda Zalikoloba. C'est ça? Ti Ezalaka non vendu. Ezalite digne de ma tête à la. Mais à sa pauvre. Il est beau, mais partie où je ça. Mais une partie reste. Mais partie où est cueillie. Mais la partie qui est partie. Le capot n'a pas racheté à moi. Alors on cherchera pour cette partie-là le proche parent pour les rachats. Il y a moi aussi d'autres. Il y a moi qui n'a pas ça dans le capot. Ne se répand pas de ces dons. Ça met à bon moi la tête dans le capot. Ça lui montre quoi? Attends, la maison va frapper. Même si la maison va frapper. Les sacrificateurs feront de tous les moyens protéger l'homme dans la carte. Les sacrificateurs feront tous les moyens afin de préserver ce qui sera dans la carte. Il ne faudra pas que cela devienne un but. Lorsqu'il examine la maison. Et son passé, si vous en avez. S'il est terminé. À mon retour, nos richesses seront en préservation. Il prendra cette richesse-là. Ça la même maison. Pour le faire retourner dans la même maison soignée. C'est ce qu'il dit. Il y a mon état bien. Il y a mon moi.
C'est pourquoi la chose de Dieu, le Seigneur procède par amour. Il marche dans l'amour. À cause de la raison corrigée. Il peut être là qui corrige. Mais ça pour au mengoboya yebi ayo etalisa. Mais c'est pour que les richesses qu'il reconnaît être de toi puissent se manifester. Et Dieu bénisse. Amen. Donc nous l'aimons Adam. Comment est-ce qu'il avait connu Adam? Avant qu'il tienne assez. Avant qu'il ait le former sur la terre. Il faut changer. Cela ne changera pas. Même s'il était tombé, cela ne change pas. C'est-il parti non vendu? Et ça vient tenir la tête qui t'aime. Zona ma. Amen. Il parti gardé. Et tenir ma bâtie à dit. Donc ça va surtout à la terre. Le Seigneur n'est pas surpris. Et pour toi, à bon mot, il m'a dit. Que cet homme s'est converti. Donc sa repentance, c'est déjà une chose préparée par Dieu depuis l'éternité. C'est ça le mouvement de ça dans la maison. Et c'est ce qu'il fait dans la maison par le sacrificateur. Mais pourtant, pas qui par la grâce de Dieu. Mais on avait mis par la grâce de Dieu. Qu'on remarqua qui. On avait remarqué. Que Mazon utilisé pour la purification de la maison. On utilise pour la purification de la maison. Pourtant, pas qui les a mis cèdre. On avait dit que c'était le bois de cèdre. Qu'on l'obéra qui en a un roi 4. On en avait parlé touchant un roi 4. Verset 33. Au verset 34. Que Salomon a l'obat qui pourra arme. Et Salomon a parlé au sujet des arbres. À l'obat qui appartient à arme et à cèdre. Il a commencé depuis le cèdre. Et en 1 roi 4, verset 33. C'est dans 1 roi 4, le verset 33. Qui a souqué la qui pour l'obat sur l'isope. Et après, il s'est arrêté sur l'isope. Total Isaki. On avait montré. Le cèdre, le premier arbre à l'obat. Et le cèdre était le premier arbre que Salomon a mis. Les années, Total Isaki. Roi. Et cet arbre représentait le roi. Mais l'isop est le plus petit serviteur. Et l'isop, c'est comme le plus petit, le dernier serviteur. Et en votre talisaki, c'est pourquoi on avait montré. Et Dieu qui est le roi, Zambia Zalikoumou. Et si il est comme serviteur, quoi y a pour purifier. Il fallait qu'il vienne comme serviteur pour nous purifier. Donc remarqua qui aussi. On avait aussi remarqué. Et Azalek pour utiliser cramoisi pour la purification de la maison. Il utilisait aussi le cramoisi pour la purification de la maison. Pour Talissa qui est la maison de Rahab. On avait parlé de la maison de Rahab. Pour Zoa qui est la maison de Rahab, Azalek et Nicolo et Amirai et Singera qui est Kwe. On avait pris pour montrer que la maison de Rahab était sous la miraille qui devait être écoulée. Là, pour Zoa qui est Josué 2, verset 15. On avait pris Josué 2, le verset 15. Pour ça, bien moi encore, au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre. A qui dit ça qui va na singa na zela ya. Car la maison qu'elle habitait était sur la miraille de la ville. Totalaki que cramoisi et protégé cette maison. On avait montré que le cramoisi avait protégé cette maison. Même si toute la miraille s'était écroulée. Mais à cause de la cramoisi, la maison était préservée. Mais à cause du cramoisi, cette maison fut préservée. Là, nous voyons dans Josué 6. Là, nous le voyons dans Josué 6. Au verset 22. Au verset 22. Nous lisons dans le Jésus-Christ. Amen. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays. Entrez dans la maison de la femme prostituée. Et faites en sortir cette femme. Et tous ce qui lui appartient. Comme vous les lui avez géré. Mais ce qu'on a dit dans Josué 6, c'est un miracle et quoi. Et en lisant Josué 6, cette miracle s'était écoulé. Mais la maison où moi si Rahab Azalaki et Panzanate. Mais la maison de Rahab ne fut pas détruite. Parce que Josué a tenu les deux hommes. Parce que Josué avait envoyé les deux hommes. À côté encore dans la maison. D'entrer dans cette maison. Donc, on dit que Mirai et Kui
On a vu que la muraille s'est écroulée. Mais la maison qui était sur la muraille, la maison de la femme prostituée. Mais la maison de la femme prostituée qui était sur la muraille. Et quitta le bord à bébé sans comprendre. Cette maison descendit doucement sans être détruite. Cramoisi n'est pas ténaïa. C'était le cramoisi qui l'avait préservé. Cramoisi est un élément de la grâce. Le cramoisi, c'est le signe de la grâce. Ils ont trouvé rôle. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé grâce. Même dans leur péché. Et donc, ça va être qui? Deux espions. Et quand vous avez reçu le deux espions, ma ben abago, nion faisant consommer par le cramoisi. Et toutes leurs transgressions furent consommées par le cramoisi. Cramoisi, c'est les éléments et le sang. Et le cramoisi, c'est le signe du sang. Mais ton avance qui aussi n'a pas été pour le banabisson. Et on avait avancé dans notre exposé. Au union se trouve un élément où ils ont purifié la maison. Tout ceci nous prenons les éléments qui purifient la maison. Mais ton remarqué qu'il y a des oiseaux. On avait remarqué qu'il y avait deux oiseaux. Au opère, ils ont purifié la maison. Qui entrent dans la purification de la maison. Il faut que les banabisson continuent sur ton zoro. Tu vas savoir que tout ce que nous disons, c'est le sel, cramoisi, isop, les oiseaux, les deux oiseaux, l'eau vive, maquillabon, le sang, maquilla, yabon les eaux purifiées, la maison. Tout cela purifie la maison. Mais ce qui produit dans Jean 15, c'est en prenant Jean chapitre 15, dans verset 3e, au verset 3, les chrétiens, les yeux du service au nous disons, on dit Seigneur. L'Écriture nous dit ceci, total qui n'a pas mon esprit. Déjà vous êtes bénis. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Nicolo, il y a l'Ilomo dans le bénin. Donc la parole des eaux purifiées la maison. L'Ilomo des eaux pétrole en d'accord. Donc, osoir, sel. Donc, prenant le sel. Ils sont. Gramoisi. Si la montagne. Des oiseaux. Maintenant, na ovile, ensemble. Le bon et l'harmonion sont des eaux purifiées maison. C'est tout cela qui entre dans la purification. La réalité, la maison est connue. La maison devient nous. Maintenant, ni les eaux purifiées maison. Mais qu'est-ce qui nous purifie? La parole. L'iloba. Donc, il dit pour le baguette, c'est à vous dire. Ce qu'on t'a dit avec la parole. Si tu regardes la parole, comment on a dit la parole, on a la loi. Tu verras que cette parole-là est roi. Aïe, les saints. Et c'est elle aussi le sel. Nous sommes tali parole. Regardons la parole. On comprend que les paroles vont aller à comment comme serviteur. Je demande que c'est la même parole qui était devenue serviteur. Et c'est elle aussi Isop. Nous sommes tali toujours dans la parole. En observant dans la même parole. On comprend à des oiseaux avec la parole. Tu verras les deux oiseaux dans la parole. Yango n'a soit qui un Corinthien 15. C'est pourquoi j'avais pris 1 Corinthien 15. Et verset 40. Le verset 40. Les chrétiens et les messieurs qui sont voués dans l'église en du Seigneur de l'Église. Amen. Il y a aussi des corps célestes. Les et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes. Autre celui des corps terrestres. Il faut dire que c'est des oiseaux. Tu vas savoir que c'est des oiseaux. Et ça, dans d'autres, on a un peu de parole. Donc ce sont des corps, mais tu le verras dans l'homme appelé la parole. Mais il faut y avoir que. Mais tu dois savoir ceci bien. Sur la terre, Nassé à la Bible. Salomon, dans le Atonga qui n'a pu y en Zambé, lorsqu'il avait bâti la maison de Dieu, dans le sang, on a été dans la Zosara, et lorsqu'il faisait sa prière, dans 1 roi 8, le verset 46, dans 1 roi chapitre 8, le verset 46, à Zosara mention Boye, il fait mention de ceci. Nous le lisons au nom du Seigneur. C'est un qui n'a pas bon Jésus Christ. Il dit ceci lorsque le peuple aura péché. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Et c'est l'écriture que je descends. Si quelqu'un est homme, il doit pécher. Mais puis vous remarquez 1 Pierre 2, Paul la Pierre à Zoromaboué. Mais nous venons remarquer dans 1 Pierre 2, Paul dit ceci. Pierre plutôt. Pierre à Zoromaboué.
Alobi, 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. À partir du verset 22. À partir du verset 22. Nous sommes en Israël, Jésus-Christ. Amen. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple. Afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché. Donc Jésus est dans l'écriture, il y a ma homme. Jésus n'est pas dans l'écriture des hommes là-bas qui pêchent obligatoirement. Est-ce que vous avez? Je ne sais pas si vous me suivez. Jésus n'a point péché. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui est Jésus. Ne rendez point de juge. Maltraité. Ne faisait point de menaces. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Donc Pierre, Jésus n'a jamais commis de péché. Il montre que Jésus a dit à la consommation. Mais Salomon dit, le temple est tombé afin que ceux qui peuplent se moquent. La maison était bâtie afin que si le peuple pêche contre toi. Parce que sur la terre, il n'y a aucun homme qui ne pêche. Donc, si on a dit Christ et Jésus, donc, si tu observes le Christ, Hébreux 7 les ont présentés. Hébreux 7 le présente. Et je reviens d'abord Melchisédek. Hébreux nous parle d'abord de Melchisédek. 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 Oaza, roi de Salem. Oaza, il m'a dit, il y a Kimia. En effet, c'est Melchisédek. Roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham. Abraham, verset 1 et verset 4. Il y a Hébreux 7. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qu'il est béni. À qui Abraham donna la dîme de tout. Qui est d'abord roi de justice. D'après la signification de son nom. Ensuite roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Qui est sans père. Sans mère. Sans généalogie. Qui n'a ni commencement des jours, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que moi, dans un présent, c'est Adam premier. Parce que le Fils de Dieu, c'est Adam le premier. Et si tu observes Adam le premier, il est celui Adam. Amen. Azana tata na maman. Il est le fils de Dieu. Il est moi dans sa mère. Vous avez un maman? Amen. Mais maintenant le mec qui se lève. Maintenant le mec qui se lève. Il est rendu semblable au fils de Dieu. Il est allié pour Kokana moi dans sa mère. Bananion soya bateau. Donc tous les fils des hommes. Oyo ba yena ma bébé. Était venu sur donc, piso, nous tous, na posana na ya papa na mama. Nous sommes venus par l'accouplement du père et de la mère. Adam premier a été moi. Adam premier n'est pas venu de cette façon. Ah oui, nous sommes là. Donc tous ceux qui sont sur la terre, ils sont venus de cette façon. Papa a dit maman. Le père a épousé la maman. Alors nous sommes nés. Ah, nous sommes des fils des hommes. Nous allons pas na ya bato. Maintenant l'Éternel qui est esprit. Il fallait être semblable au Fils de Dieu. Aya comme Adam. Vous avez la parole? Je suis attentivement. Aya comme Fils de Dieu. Il est venu comme le Fils de Dieu. Lui qui est esprit. Maladie. Mais il a porté le corps. Façonné par le Saint-Esprit. Il est
L'esprit de travailler est manifesté. C'était l'esprit qui avait travaillé jusqu'à sa manifestation. Et Luc 1 le dit. Donc Luc 1 nous le dit. Dans où ange d'abord son nom à Marie. Lorsque l'ange s'entretenait avec Marie. Marie a le dit et quand as Yemi ou Barité. Je ne connais point d'homme. Mais comment se fait-il que la route à vos enseignes? Comment ferait-il que je serai à expliquer le Saint-Esprit? Découvrira de son nom. C'est pourquoi le cet enfant qui naîtra et toi sera appelé fils du Très-Haut. Donc, comme il n'y a pas eu accouplement de l'homme et de la femme, comme le premier homme était venu, il y a moi aussi, de même. Allah bénéfice de Dieu. A Benami moi en entendez. Comment le corps qu'il avait sur le Seigneur coloré sur la terre. Ah ouais, ma mère. C'est un corps céleste. Et ça l'a dit Zoto Yamikolo. Oui, Marie Abota. Le corps que Marie avait enfanté. Mais aux hommes on en beau et pour Kalina Zoto. Mais tu peux remarquer ce corps semblable au nôtre. Amen. Au moins au Kalina Ouais. Et tu remarques vraiment semblable au nôtre. Comme on est sous mon cadet, ce corps-là n'avait jamais péché. A dit comme l'homme. Et il a parlé semblable à l'homme. Mais il a dit différent des hommes. Mais il était différent des hommes sur la terre. Dans sa manière d'être. Dans le lendemain à Poussala. Très différent des hommes. A qui s'est mis la bâton. Il n'a jamais péché. A Tikala au sous mon cadet. Salomon aura dit tout fort à la somme. Salomon avait dit un homme doit pécher obligatoirement. C'est ce que Salomon avait dit. Et c'est ce que Salomon avait dit. Mais le Seigneur l'avait dit différent. Dans ce qu'on a caissé dans qui son corps, nous autres, vous voyez, c'était un oiseau. Et ça l'a dit, nous autres, un déqué. Ça l'a dit, un homme céleste. Ça l'a dit, mon toi, Nicolas. Vous voyez, comme terrestre. Mais il a parlé comme un terrestre. Il n'est pas venu par l'accouplement de l'homme et de la femme. Mais Hébreux 10, c'est le dit. Hébreux 10, c'est ceci. Il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Et ça, corps formé. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est l'esprit des amis. Donc, c'est l'esprit qui a formé ce corps. Et c'est différent dans notre âme. Et que c'est là qui c'était différent de le corps. Les péchés, les soumis, et vous voyez pourquoi ça a été. Ne pouvaient pas le faire tomber. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, son mot a dit, en observant, c'était un oiseau. À ça, là, qui n'est que dans notre âme. Sur la terre. Mais lorsque tu les remarques marcher sur la terre, au tali na matière qui se tient, tu observes la matière qui se tient. Oiseau matana Pierre, Jean, Jacques, na montagne. Lorsqu'il montait sur la montagne avec ses trois disciples, au tali na kobo na Jésus Christ. Nous lisons au nom de Jésus Christ. Matthieu 17, les versets 1 tient à 3. Il fallait même appeler l'homme. Il fallait qu'il soit appelé homme. Pour les Allah, les prospères. Pour qu'il soit proche par nous. Mais il n'est pas comme les hommes. Mais à Salah qui t'est le bon bateau. Parce qu'un homme doit pécher. Oui, tu montes, c'est délicata sumka. C'est ça l'écriture. Il y a un mot de l'icône. Mais Christ a vivre sur la terre sans pécher. Parce que Christ a dit qu'il a appelé Zanda au sumka. C'était un oiseau. À Salah qui n'est qu'il était un corps céleste. Azaraki Zoto Yalikolo Kasi Namabele. Tala na matière 17. Remarque la matière 17. 6 jours après, à partir du verset premier. Nicolo ni Montoma Simanago. Jésus prit avec lui Pierre. Yesu Asuina et Pedro. Jacques. Yako. Et Jean. Pedro. Son frère. Nicolas Yamba. Et il les conduisit à l'état civil haute montagne. Pierre ne dit pas mon Pémé ni Nagomba Moulaï. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent. S'entretenant avec lui.
manifesté un autre corps. Ici, le Seigneur a manifesté un autre corps. Corps. Ce corps ici. Il faut frapper. Ce corps ici n'était pas bon. Mais corps la porte à mais le corps avec lequel il fut né était mort. C'est un oiseau à sa ligne de pied qui devait être écorché. Oui, c'est quelqu'un qui m'a accompagné. C'est notre oiseau. Si je ne va pas mourir. C'est des oiseaux à venir, c'est des corps. Parce que tu ne l'auras que, tu ne les auras que dans la parole. C'est pourquoi Paul avait vu ça. Alors, mis dans acte 26. Dans acte 26. Alors, on va aller quand même des oiseaux. Ici, il parle concernant ces deux oiseaux de Lévite. Mais alors, il dit comment on a verset 23e. Depuis le verset 23e. Et le verset 24e. Jusqu'au verset 24. Il y a acte 26. Acte 26. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nabal 22. Le verset 20. Il y a acte 26. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Rendant témoignage devant les petits et les grands. Sans m'écarter à rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré les voir arriver. Lorsque Paul lit Moïse, il voit la mort de l'oiseau. Avec savoir que le Christ souffrirait. Et que ressuscité d'entre les morts. Le premier d'entre les morts. Il annoncerait la lumière aux perdues nations. Pour annoncer la lumière à perdues nations. Donc annoncer la lumière au peuple et aux nations. Et ça l'action que l'oiseau vivant sur ça. C'est l'action que fait l'oiseau vivant. Et cet oiseau vivant. Mais de qui on est à bon moment. Na cèdre. Isop. Et le cèdre et l'isop. Aujourd'hui, la cramoisie. Tu prends même le cramoisie. Entendu, ça vient très bien. J'avais très bien mon frère. Il faut purifier Adam. Et celui qui va purifier Adam. Il doit être un roi. Et celui-là, ça va courir. Mais il se fait servir. Parce qu'à Missali, mon cèdre. Parce que t'as pas besoin de Dieu. Parce que lorsqu'on parle du roi, on parle de Dieu. Nous avons 1 Samuel 8. Nous prenons 1 Samuel 8. Dans verset 12. Au verset 12. On attend. Samuel a reconnu tout ça. Alors lorsque Samuel s'inquiétait, Nalikambo, en ce qui concerne, le légué martien va être conseillé à qui a tiré un roi sur eux. Comment est-ce que les anciens peuvent lui demander d'établir un roi sur eux? La réponse à Samuel est tout ça qui est ma place. La réponse de Samuel. Non, la réponse que Samuel avait donnée. La réponse que Samuel avait donnée. Et trop blagué. Avait d'abord troublé lui-même Samuel. Mais l'Éternel est venu intervenir au verset 5. Mais l'Éternel est venu intervenir au verset 5. Il y a 1 Samuel 8. C'est 1 Samuel 8. Alors lui, c'est moi qui l'ai régi. Et ça lui a dit, Yahweh, il faut te voir qui. Parce qu'il y en a régné les colonnes. Il refuse que je puisse régner sur eux. Quand les anciens peuvent être aussi à un roi, lorsque les anciens étaient venus demander un roi, ça m'a monique et m'a bouillé à régner les colonnes. Le Seigneur avait vu que le peuple a refusé qu'il puisse régner sur eux. Quel soit le mandat pour Israël à voyer qui que Pilate a convaincu Jésus-Christ roi des Juifs. Quel soit le mandat Israël avait refusé que Pilate écrive que Christ est roi des Juifs. Par contre, on dit, et on dit, nous avons pour roi César. Ils sont tous allés en cours d'état et ça. Ça y est, ça nous vient de demander la semaine 8. Et puis prends cette écriture. C'est là ce qu'il doit présenter notre roi. Comme Israël a présenté notre roi. Ils ont rejeté l'Éternel. C'est ma voix qui n'est Yahweh t'amène à ma voix. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, la purification de la maison. Donc, on pique tout la main. La maison où est habillée le peuple aujourd'hui. La maison qui est nous, le peuple de Dieu. Il faut les grands rois d'Assa. Il faut que le grand roi lui-même vienne nous faire. Roi, c'est qui serviteur. Et ce roi-là, c'est que lui-même fait serviteur. Mais ton moni, Isop. Alors, on a vu la présence de Isop. Il est la personne qui sont grâce. C'est lui qui nous a donné la grâce. Et ton moni, cramoisi. On a vu la présence du cramoisi. Ayaki n'a décor. Et il a apporté deux. Mazaraki, oiseau. Mais il était aussi l'oiseau. Un homme céleste. Donc, on a une forme humaine.
Il a pris une forme. Mais genre. Pour porter nos péchés. Parce qu'on a commis ma soeur. Adam Bola sans qu'il a commettre un mal. Il a marché sans commettre mal ou un péché. Avaki différent de tous les hommes sous ses oreilles. C'était Dieu créateur. Sur la terre. Avant qu'avec les humains qu'il a créés. Et il a cohabité avec ses créatures. C'était Dieu. Et ça l'a dit sa mère. A eu une forme humaine. Il a pris la forme humaine. Donc c'est l'oiseau là où il s'est gagné qui pouffa. Et ça dit tel que l'oiseau qui devait être égorgé. Où il s'est gagné et répandre le sang. L'oiseau qui devait répandre le sang. Même à qui l'a naïamo et boya nanda ou sept fois. Mais le sang de l'oiseau égorgé sera aspergé sept fois sur la maison. Non. Lévitique 14 toujours. Toujours dans Lévitique 14. Na verset 51. Au verset 51. Mon souci est d'aller comprendre très bien. Mon souci est que tu puisses bien comprendre. Et tu peux en parler même à notre frère. Na le verset 51. Je prends le verset 51. Il prendra le bois des cèdres. À cause de l'isop. Les cramoisies et l'oiseau vivant. Il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé. Et de l'eau dans l'eau vive. Et il en fera sept fois l'aspersion sur la maison. C'est ce que j'ai vraiment besoin. Sept fois l'aspersion sur la maison. La maison ne voit pas plus de sept aspersions. La maison n'avait pas reçu plus de sept aspersions. Elle voit sept aspersions. Parce que mais d'abord. Nous avons aussi une maison qui est Égypte. Nous voilà une maison provenant de l'Égypte. Israël est une maison. C'est la maison de Dieu aussi. Israël là quoi en Égypte. Il provient de l'Égypte. A commis un désert. Il est arrivé dans le désert. C'est toute une maison. Israël là quoi mon bima. Mais le jour de l'alliance. Mais le jour de l'alliance. Exode 24, le livre. Exode 24, 10. Nous entendons maintenant le verset 8 et 9. Je le lis au verset 8 et 9. Il y avait une aspersion sur la maison appelée peuple d'Israël. Exode 24, les jours de l'alliance. Verset 8. Le verset 8. Exode 24, nous lisons en déjà. Amen. Moïse prit le sang. Moïse a joué maquilla. Et il le répandit sur le peuple. Puis à ce pas qui maquilla Nicolas Libota. En disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Donc nous avons l'écriture où il va sauver la peuple maquina. Où on a répandu le sang sur le peuple. Ésaïe Exode 24. Exode 24. Verset 8. Le verset 8. Zola Namala. Amen. Bon ami Ésaïe. Pourquoi la chose est ainsi? Ésaïe qui pouvait parler que le peuple est une maison. C'est pour montrer que ce peuple est une maison. Il faut soit aspersé à 100 jours d'alliance. Et elle doit recevoir les aspersions le jour de l'alliance. Maintenant, ceux qui assistaient ces jours-là marchent dans le désert, les amis, à peu près 40 ans. Leur marche dans le désert était à peu près de 40 ans. Et les enfants aussi naîtront. Et ceux qui naîtront après. Il n'était pas là dans l'Exode 24. Mais ils ont participé à l'aspersion de l'Exode 24. Mais ces enfants-là participent à l'aspersion de l'Exode 24. Est-ce que vous me suivez attentivement? Comment? En obéissant à la parole. Na koto sa kata maloba Yahweh. Donc, dans vos autres sa parole, lorsque tu obéis à la parole, Dieu voit l'aspersion qui s'est passée dans l'Exode 24. Et le Seigneur voit l'aspersion qui s'est passée dans l'Exode 24.
Il y a beaucoup à remarquer. C'est pourquoi tu vas remarquer. Israël a des péchés. Israël a des soumis. N'a plein à moi. Sur la plaine de moi. Balaam a regardé Israël. Balaam a regardé le peuple d'Israël. Dans Nombre 23. Dans Nombre chapitre 20. Verset 21. Le verset 21. A regardé. Il a observé le peuple. Avant de voir le verset 20. Il a commencé d'abord au verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Balaam a suivi une donné à Obamola. Il a béni. Il a bamboli. Je ne les révoquerai point. N'a pas l'ombre de la bamboli. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. À ce moment-là, il se voit monné, mais tombé par Katinaïako. Il ne voit point d'injustice en Israël. À ce moment-là, il se voit Katinaïsaïe. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Asalinaï. Il est son roi. L'objet de son allégresse. Donc quand l'Éternel regarde Israël, lorsque le Seigneur aperçoit Israël, à cause de reproche la mort, même s'il le reproche dans le mal, il n'aperçoit pas lui. À ce moment-là, pourquoi? Il y avait déjà le sang de l'alliance. Et ça là qui l'a voyé qui couvrait les marches. Je ne sais pas qui compta pour la parole à qui sauver. Dieu bénisse. Amen. Il y a beaucoup de remarqué, mais la paix dans la réalité. C'est pourquoi dans la réalité des choses. D'abord, on les a battu qui m'a campé. Comment est-ce que Dieu avait placé les choses? Il a expliqué, disons, que le sang, il voulait nous expliquer que le sang, n'a pas dit à le sang, il y a la vie. N'a pas dit à ma qu'il a bon ou les amis. Nous sommes, t'as pas ça, qui a sali ça qui m'a béni. Lorsqu'il avait rassemblé le monde des terres, en Genèse 2, dans Genèse 2, d'abord, m'a béni avant sa qu'il s'en voit, il d'abord, maille. Là-bas, avant qu'il puisse rassembler le monde des terres, cela avait reçu la rosée. Et comment il comme argile, cela était devenu une argile. Après, on a sali une motte. Et après, cela, il a formé une motte. Donc, il, comment, comme? Donc, il a formé une statue. Maintenant, il a soufflé. Maintenant, il a soufflé seulement. Son esprit. Mon lit, mon œil. A soufflé. Il a soufflé dans ses mains. Et l'homme est devenu une âme vivante. Mais mon tracomi, mon lait, ma la pomme. Sommes-tu le petit lycée? En prenant le petit lycée. L'écriture des hommes à l'âme, c'est le sang. L'écriture appelle le sang comme l'âme. C'est ça le petit lycée, comme dans le verset 10 et dans le verset 14. C'est ça le petit lycée de verset 10 à 14. Il y a beaucoup remarqué. C'est pourquoi tu vas remarquer. Dans mon tassouki, lorsque l'homme a péché, Jean-Balobi, aux hommes retourner à la poussière d'où tu as été tiré. Dieu a dit que tu retourneras dans la poussière d'où tu as été tiré. Pratiquement pour les poissons, la poussière de Nazaraki. Donc pratiquement pour qu'ils puissent retourner la poussière qui était. Il faut savoir retirer rosée. Il faut que le Seigneur retire la rosée qui était en lui. Ensuite, à retirer souffle boyo et baisser le sang. Ensuite, le souffle qui avait produit le sang. L'homme rentrera la poussière qui était auparavant. Dieu bénisse. Amen. Par le souffle de nos hommes en sang. C'est par le souffle que nous voyons le sang. Or le souffle, c'est l'Esprit de Dieu. Le souffle, ça dit mon livre en sang. La parole. L'iloba. Yamon comment, non? C'est pourquoi tu la deuxième année. Depuis sorti dans ma voie d'Égypte. Depuis leur sortie du pays d'Égypte. Les seigneurs parlaient du sang qui était sur le propitiatoire. Là aussi, Exode 25, verset 21 à 22. C'est très important. Exode 25. Parce que cette aspersion-là était ça a aussi. Cette parole au union sans âme à personne à cette église. Parce que ces sept aspersions représentent les sept paroles données aux sept églises. Exode 25. Non, verset 21 à 22. Au verset 21. Après nous lirons dans Nombre 7. Après nous lirons Nombre chapitre 7. Exode 25. Verset 21, mais nous lisons au nom de Jésus. Amen. Qui mettra les propitiateurs sur l'arche? On contient Ezipelo ya Sanduku, Nicolas Sanduku. Et tu mettras dans l'arche les témoignages. Et on contient la tête ya Sanduku, l'itatoni. Que je te donnerai. Oh, on a coupé sa crayon. Dans la verset 22.
Verset 20. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Les amis, voilà la montagne. Là, ce n'était plus sur la montagne. Mais en disant ces paroles, mais ils étaient avec Moïse sur la montagne. Alors, il lui donne tous ses programmes. Les programmes de dresser ou diriger le tabernacle. Parce qu'en prenant Exode 24, dans verset 12, au verset 12, je le dis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Moïse. Yahweh est ici dans mon sang. Monte vers moi sur la montagne. Et reste là. Je te donnerai des tables de pierre. La loi. Mon béco. Et les ordonnances que j'ai écrites. Pour les restrictions. Pour la côté à l'ombre. Moïse a monté la montagne. Et Moïse monta sur le tabernacle. Alors Moïse, Dieu a commencé à dire. Ils étaient sur la montagne. Maintenant, sur la terre, au bas de la montagne, qui était Aaron, c'était Aaron et le peuple. Moïse la montagne. Moïse sur la montagne. Et à ce soir, programme l'union sur la construction du tabernacle, la maison de Dieu. Il reçoit tout le programme de la construction. Pour l'adoration. Pour l'adoration. Mais là-bas, montagne à terre. Mais là-bas, au bas de la montagne. Aaron, ensemble avec le peuple. Aaron et le roi d'Alibota. Ça a un veau d'or. Ils ont fabriqué le veau d'or. Donc, quand Dieu donnait le programme. Lorsque le Seigneur donnait le programme ou le plan du tabernacle. Là-bas. Au bas de la montagne. Peuple péché. Le peuple péché. Vous en avez un vous suivez attentivement. Parce qu'il a été monté. Parce qu'il lui avait dit de monter. Alors, il a donné toutes ces choses d'Exode. Au banda, Exode 24, verset 12. Donc, depuis Exode 24, verset 12. Il avait demandé de monter. Pour lui donner des choses à faire. À combien d'Exode 30? Il est arrivé jusqu'au chapitre 30. Verset 18. Le verset 18. Lorsque l'Éternel y achevait de parler à Moïse, c'est la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables de témoignage. Table de pierre, écrite du doigt de Dieu. Les peuples voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. Ces paroles d'Exode 30, c'était du temps où Moïse tardait sur la montagne. Maintenant, Moïse tardait sur la montagne. Lorsque Moïse tardait encore, il recevait le programme du tabernacle. Il recevait comment est-ce qu'il devait être la sacrifice. Mais à part la montagne, la cibouna n'a c'est encore. Avant d'ériger le veau d'or. Vous en avez un, vous suivez un super enseignement. Les amis, là qui s'y ont dit. Là, il est dans les sacs comme les iniquités. Et cela parle, il y a mon ton qui a même pas mon ton. N'a c'est un bon bas. Et tant qu'on a zoé à Kokita. Et lorsqu'il descend, ils ont en réalité pour à détruire le roi de la Savage. C'est en réalité pour détruire ce qu'ils avaient fabriqué. Pour nous capables d'établir la bonne chose. Enfin, de chercher à établir la bonne chose. Je sais que vous avez un enseignement pour voter en haut, mais notre jour selon les examens. Mais ce sera un enseignement qu'on va dispenser notre jour selon la grâce du Seigneur. Mais il faut le réévaluer. Mais tu dois savoir de ton côté. Au moment où les hommes avaient au travail, même là, pas prophète Nyonso. Au moment où les Seigneurs travaillaient avec tout le prophète. Azo qui est maman sur la montagne. Et qui les amenait sur la montagne. Tant qu'on est sur la montagne. On a dit Nicolas Loba. Cela veut dire un conseil au ciel. Donc, Nakuna Zamé dans le salaire. Israël sur la terre péché. Israël sur la terre, Azali Kosunuka. Azali peuple indocile. Azali qui libote. Mais Esaïe voit une vision. Mais qu'est-ce que ça connaissait à ce moment-là? À ce moment-là, la manière dont la construction du tabernacle est conservée. Il voyait comment le tabernacle s'est érigé. À Jérémie. Il voyait même Jérémie. À Daniel. Daniel. Donc, c'est que toutes ces choses, Esaïe par rapport à la programme, nous
Seigneur avec la sœur. Donc c'est que ce que bien aimé. La carte n'a pas besoin de comprendre. Dans tout cela, nous comprenons que la maison Nako. Ils ont recevoir cette aspersion. Ils soient cette aspersion. Cette aspersion-là, au sopranatural, c'est la parole de Dieu. Les amis de l'Iloba ensemble. Bon, on a été négocié ça. Pour aller achever. Attends ici d'abord que j'ai d'abord montré le peuple de Dieu. L'hypothèse. Aboye aux âmes à sauver. C'est dont le Seigneur a sauvé. Avant de participer à l'aspersion. C'est 1 Pierre 1. Dans 1 Pierre chapitre 1. À partir du verset 1. À partir du verset 1er. Tiens le verset 2e. Jusqu'au verset 2. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Pétero, Thomas et Jésus-Christ. À ceux qui sont interrogés et dispersés dans le pont. La Galatie. La Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, en fait qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Voilà. C'est pourquoi je vous avais dit. L'aspersion est seulement qui l'exode 24. L'aspersion, c'est qui t'a compris par l'exode 24. Mais les années qui suivaient, les enfants aussi naissaient. S'ils obéissent, ils ont participé à l'aspersion exode 24. Ces enfants-là participent à l'aspersion exode 24. Vous comprenez les Bibles, amis? Tu comprends la parce que quand on voit ma pierre, va l'obéir à vous. Parce qu'avant que les apôtres parlent de ces choses, il les avait d'abord lus là-bas chez les prophètes. Donc le Seigneur a fait un sacrifice à quoi? Donc le Seigneur a accompli leur. À répandre son sang à l'autre. Il a répandu son sang sur la montagne. Mais d'abord, on s'en va dans cette abysson. On sait que le Seigneur nous demande. Obéissance. Tout ça, pour tous, il n'y a pas. Lorsque tu obéis, nos fils ont participé à l'aspersion. C'est ce que 1 Pierre 1 Zoroba. C'est ce que nous dit 1 Pierre 1. Et ça par rapport à l'ancien alliance. C'est par rapport à la manière dont cela a été dans l'ancien alliance. Donc la maison, il faut y être avec les oies à cette aspersion. Donc tu dois savoir que la maison ne reçoit que cette aspersion. Donc tant qu'on on lit la maison, lorsque tu vois la maison, l'église, oui, ça dit l'église. L'église va présenter à cette église d'Asie. On présente l'église par cette église d'Asie. Cette aspersion. Les attaques n'ont pas souffert ma tire mal. Les a huit. Ce n'est pas huit aspersions. Que Dieu bénisse. Amen. Les saints, c'est la parole. Ma tire est à l'Iloba. Donc, si vous prenez l'église à Jérusalem. Si vous prenez par exemple l'église de Jérusalem. Si vous bénissiez du banda à cette église. Et si tu la fais sortir en dehors de cette église. À retour dans l'église à Jérusalem, dans la quatrième aspersion. Je te poserai la question si cette église est dans la quatrième aspersion du sang. Est-ce que vous suivez? La maison doit recevoir cette aspersion. Donc le Seigneur dit soit dans la soupe à la maquina sans mot. Donc, le Seigneur a présenté sa parole. Le Seigneur présente sa parole. Peuple et nous va croire en Jésus-Christ. Tout le peuple qui a cru en Jésus-Christ. Bazar représenté la carte à cette église d'Asie. Babo Batali salut dans l'église à Sambolo Yazila. Donc, cette aspersion est dans la carte. Donc, cette aspersion qui est là-dedans. Que la grâce du Seigneur est à l'école dans votre nom. Que la grâce du Seigneur soit sur tout le chemin. Que le Seigneur nous regarde et nous préserve. Je sais que nous avançons par la grâce de Dieu. Et qu'avec l'aide du Seigneur, et dans les souliers en colo, nous parvenir. Nous y parviendrons. Que Dieu te bénisse. Amen à Pamela. Yo ya co, esta, acabo. Malumbago.